Ok! Yes, salut à tous, c'est Recalcos, et on est parti pour je ne sais pas quoi encore, comme vous pouvez le constater. On est le mercredi, c'est censé être des journées raids, et finalement, ben, tant qu'il n'y a pas raid, ben, on va peut-être partir sur des petits let's play un peu plus sympas. Donc, on va être sur des let's play en parallèle des longs plays qu'il y a le lundi. Donc, vous allez être contents, maintenant en semaine, parfois vous allez avoir deux let's play en rediff, pour ceux qui suivent sur YouTube. Donc, un let's play un peu plus short, un peu plus cool. Et j'ai décidé d'ouvrir ma Switch, hein, parce que je vais en avoir besoin très prochainement de ma Switch, hein, d'ici novembre. Donc en attendant, je ne le laisse pas moisir. Et je profite d'avoir l'abonnement online pour pouvoir jouer à des petits jeux sympas, des jeux de mon enfance, hein, des jeux Game Boy, des jeux NES. J'ai vu des bons trucs sur la NES, mais ça va être faire l'objet de longs plays du lundi plutôt que de let's play. Et je trouve que les jeux Game Boy, ça va, il y a moyen de s'amuser une soirée ou deux là. Moi là j'en ai deux en visu, je me teste très bien et je pense que je vais la jouer safe mais troll, donc ça va être un cauchemar. Donc je vais en parler juste après, vous allez voir du let's play. Allez, on part sur celui-là, je le sens chaud. Pour info, parce que j'ai vu un message, c'est le samedi, mais je l'ai fait pas en ASMR. Alors, on va se tenter le Wario Land 3. Alors, désolé d'avance, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle concernant ce jeu, déjà, pour ouvrir les hostilités sur les jeux rétro disponibles sur Switch. Ce jeu-là, je le connais. Mais, j'ai jamais joué. Donc, on va un petit peu rigoler. Parce que même si je sais à quoi m'attendre. Oh non, non, ça spoil. Hein. Donc c'est le troisième opus des Wario Land, il y en a eu deux autres avant. Alors c'est bizarre parce que le 1 et le 2 ils sont pas encore disponibles sur le truc de Game Boy, ils passent directement au 3. Et vous allez voir, le 3 a une particularité qui ressemble beaucoup au 2, à quelques différences près. Oh non! Comment fais-je à me troll? Passe! Ok, faut. Oh. Ça va. Pas s'en plaindre. Bon, c'est bien avec l'écran de Game Boy, il y a le chat qui gêne pas trop l'écran. English. Putain, c'est même pas en. Enfin. Je sais même pas si ça existe en français. Oh, c'est trop pixel. Donc Wario, qui était l'antagoniste de Mario Land 2, qui s'est fait quelques richesses hein, avant d'être coiffé au poteau par Mario à Wario Land 1, avait son château à Wario Land 2 qui a été attaqué. Et là, ben, il est chasseur de trésors, donc il cherche toujours les beaux trésors pour les revendre à un bon prix. Avant la série WarioWare. Bien sûr, Wario Land, un peu jeu de plateforme. Il découvre une boîte à musique. Enfermé à l'intérieur. Alors, Hidden figure, une figure cachée. Ah ouais, je crois qu'il avait pu lever ma Wario. Ce monde est dans une boîte à musique. Tu as été entraîné dedans. Je le traduis à ma manière. Hein. C'est pas perfect, hein, mais ça va. J'étais le dieu qui protégeait ce monde. Ouais, c'est bien traduit. Mais un jour. Un week-end.
C'est-à-dire quelqu'un, mais c'est pas un wizard, c'est bizarre. Sceller mes pouvoirs et après le contrôle de ce monde. Wario. J'ai besoin que tu me trouves 5 musiques. 5 boîtes à musique, s'il faut dire. Donc j'ai besoin pour briser ce sceau caché. Et retrouver mes pouvoirs. Si tu les trouves, je permettrai de te faire retourner dans ton monde. Bien sûr, tous les trésors que tu vas trouver seront à toi. Vas-tu m'aider? Fidèle à Wario. Ah oui. Trésor. Les thunes. Pognon. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une variation jour-nuit. Save complete. Alors, je sais pas comment ça va fonctionner. Donc, voilà. Donc, pas mal de choses à dire sur Borderlands 3. Donc, comme vous pouvez constater, je connais un peu. Je connais même beaucoup. Parce que même si j'y ai pas joué, en fait, ça fait partie des rares jeux où je m'étais dit à la base, je vais jamais y jouer. Du coup, je me suis spoilé en regardant du let's play pour savoir comment ça fonctionnait, etc. Donc, même si le jeu, je le connais, ça fait longtemps que j'ai pas vu le let's play. Donc, je vais redécouvrir, mais cette fois avec la maniabilité parce que je ne l'avais pas. Donc, sachant que la personne. J'ai essayé de le retrouver pendant ce pseudo let's play en quelque sorte. Et vous allez voir que les Wario Land, depuis le deuxième opus et jusqu'au quatrième, ils ont une petite particularité, c'est que normalement je ne peux pas perdre, je ne peux pas mourir. Peut-être par rapport au boss final, parce qu'il y aura des boss. Je ne sais pas ce qui se passe si on perd contre le boss final, mais j'ai pas de vie, j'ai rien du tout. C'est juste que c'est un système de tant que tu réussis pas, tu passes pas. Vous allez comprendre. Donc c'est un très gros jeu d'exploration. Voilà, faut que je me rappelle les touches. Putain, c'est... En gros, comme ça, ça fait bizarre. Je peux faire ça, déjà. Ah oui, je peux pas encore. Là, je fais des bus. Merde. Donc voilà, vous pouvez constater, je peux me prendre des dégâts, rien à foutre. Ça va être très linéaire. On comprend rien de ce qui se passe. On nous apprend à utiliser les portes. Non, je sais pas nager. Putain. Ok. Alors, il y a deux choses à faire dans chaque niveau de Wario. Tous les niveaux vont se ressembler comme ça, avec des difficultés variées, des objectifs à atteindre différents. Donc voilà, ça c'est une des deux objectifs de chaque niveau, c'est de récupérer une clé pour ouvrir, on spoil, un coffre. Il faut que je trouve le coffre. C'est quoi quand on a des pièces, je vois pas quoi c'est. Il y a beaucoup de notions que je sais pas trop. Ah, c'est pour jouer à des jeux. Avoir besoin. Oh putain, j'avais oublié qu'il y avait ces trucs. Par contre, je suis désolé si je suis aussi mauvais au début. Alors, on a des pièces, ça c'est le fil rouge. On a une clé verte qui ouvre une autre catégorie de coffres. Ah, on va avoir déjà les premiers trucs what the fuck du jeu. Je peux carrément vous montrer ce qui se passe d'ailleurs. Voilà, je contrôle plus. Hein.
contre plus, je m'y attends. Donc voilà, particularité du jeu, les altérations d'état de Wario. Il y en a beaucoup. Et certains sont bénéfiques, vont m'aider à progresser, et d'autres sont moins bénéfiques et vont me faire ralentir le plus possible, puisque, comme j'ai dit, on ne peut pas perdre, à proprement parler. On ne peut que tourner en rond. Voilà, le premier coffre du jeu. Et donc voilà, dans chaque niveau, il y a 4 coffres qui nécessitent une clé de couleurs différentes. Donc gris, rouge, vert et bleu. Il y a toujours ça dans tous les niveaux. Chaque coffre qu'on ouvre va permettre de récupérer un objet. Et les objets vont servir juste à deux choses. Donc là, on va voir la première catégorie qui est... de faire évoluer, soit me faire découvrir des nouveaux niveaux, soit de permettre d'aller plus loin dans le même niveau, les trucs que j'arrive à débloquer. Donc le but c'est de progresser comme ça. Voilà, on a à peu près fait le tour. Donc mon objectif c'est que dans ces trésors il faut que je récupère 5 boîtes à musique et c'est tout. Aller comme ça. Donc ça c'est le niveau 3, on va aller au niveau 2 quand même. Et donc il y a une particularité jour-nuit dans ce jeu. Donc là il va faire nuit, donc t'as la version jour et la version nuit de chaque niveau. Et il faut parfois rentrer de jour ou parfois de nuit dans certains niveaux. Par contre, si déjà rien qu'au premier niveau j'ai galéré, je donne pas cher de ma vie sur le let's play qui va devenir un long play. Hein. Alors, déjà, je vois pas très sur quoi déclencher. Non. Alors, transformation. Et bon, je trouve le moyen de me débarrasser de ça. Je vais annoncer la lumière. Putain, mais je suis trop nul. Je vais niveau 2. Non. Dégage. Faut y aller. Attention, je passe au travers. Hein. Je vais pas faire péter tous les blocs. Eux et pas la tête quand ils envoient. Alors, pas autant passer. On a un germe, je peux pas le casser, je peux pas le casser. Donc voilà, c'est vraiment le jeu d'exploration. Attention. Là pour l'instant, c'est un gros malus. Voilà mon coffre, donc là c'est tranquille. Un niveau, mais j'ai pas la paix. Dégage, merci. Ici on a quoi? Dégage.
Il y avait un truc là-haut, je sais pas. C'est plus facile quand on regarde. Hein. On passe au travers quand on se baisse. Oulala, qu'est-ce que c'est ça? Mais j'ai besoin ou pas? Ouais, c'est pas grave. On est obligé d'attendre que l'altération se termine, hein, parfois. Besoin du zombie. Tout ce que je voulais depuis le début. Ça marche pas quand je suis un zombie. Ce niveau est bien pour nous faire comprendre que parfois c'est pas très bon, parfois c'est très bon. Ah putain, je vais vraiment faire un saut et tomber. Attends. Lumière. Four. Je vais dégager ça. Et maintenant, je vais copier le feu là. On accélère un petit peu. Hop. J'ai vu le nombre de spectateurs qu'il y a sur... Alors j'ai opéré un demi-fragment. Alors il faut les 8 ou c'est mort, hein. J'en suis qu'à 2. Évidemment vous l'avez compris, tant que je vais pas aller chercher le dernier coffre, ou que j'ai pas avancé suffisamment dans l'histoire, je vais pas récupérer toutes les pièces. Aïe. Ça va être facile avec les règles. Difficulté supplémentaire déjà d'un jeu qui peut rager. Il est ou quoi? Je jure que je suis pas un gars convaincu. Mais là il y avait un lag, on est d'accord.
Ça m'aide en rien. En fait, ça me fout plus dans la merde qu'autre chose parce qu'il y a tout qui était. Bon. Je vais faire ça bien. Invisible. Ça va être long. Mais putain de c'est mort! Là je peux pas. Tu peux pas me redonner une potion là de ton côté? Merci. Putain, je suis mauvais. À la fin, mais je suis nul à chier. Je le sais en plus. Non mais là, c'est vraiment toi. C'est donc ça. J'avais pas compris. Mon café à côté. J'aurais dû nettoyer la zone avant. Oh, ça promet. Ça a des particularités quand il y a l'animation d'ouverture de coffre, tous les ennemis disparaissent. Hein. C'est pour ça que l'œil en haut à gauche il a disparu. Bon, c'est votre fragment, on est bon. Voilà, parfois il va falloir plusieurs objets pour pouvoir continuer l'aventure. Là-bas, on a une tornade. Un truc ici. Bon, ça, c'est pas trop. Oh, ça fait plus dur. C'est bien ça. Ça va prendre un familier. Aller à droite. Je peux monter ou descendre.
Ah si, il faut en faire peut-être. En mode inactif. Ah, comment on fait? Ok, nouvelle technique. J'avais déjà mais... Bon, le coffre doit être de l'autre côté, c'est sûr. J'arrive à voir les... De nuit là. Voilà les passages chiants. Attends, tout va bien. Descends, descends, descends. Descends encore. Non. Oh, vas-y, ça tue. Je vais tomber encore plus vite. Je m'en sors bien. Ouais. Touché. Oh putain! Repop. Je veux voir le coffre. Ah merde! Ça c'est le rouge. C'est le deuxième. Ok. J'ai pas la clé rouge, j'ai la clé... Donc ça, ça veut juste dire... J'ai fait tout ça pour rien. Descendons. Et si on prenait le tuyau? Un tuyau là-haut? Non. Alors les sauts. Ça commence un peu à me saouler dans le sens où on décalé. J'ai perdu cette habitude. Qui mène nulle part, mais... Cadeau, c'est mieux. Du coup, Mais non! Ah bah je
peux quand même taper ça. Je pensais qu'il fallait que je sois gros. D'habitude d'appuyer sur B en même temps. Et qui c'est qui va devoir s'en recoltiner la montée? C'est Bibi! Avec toutes les chenilles! Le truc qui coupe en deux! Enfin, c'est la tête! Au bout de merde! Ça c'est plus rapide que d'essayer d'esquiver tout. Du pédo speedrun. Il va être chiant en vrai. Easy. Un coffre rouge. Il faut que je sois réactif alors que depuis le début j'arrive pas à sauter correctement. Ça m'a con. Oh putain. Mais non, je viens de sauter. Oh, c'est bien lourd. Ça sert à rien, mais ça défoule. C'est les chenilles. Ah, gars, ils sont réveillés, hein. Je sais pas si vous aviez remarqué, mais... j'avais pas accès à droite à cause du soleil. Enfin, il faisait nuit. Et eux, ils étaient. Non. Dépêche. Pour bien rager à des moments, parce que là déjà tu sens la maniabilité va être contre toi à un moment, tu le sens arriver. Ça doit être intéressant. T'as perdu la main, oui, c'est pas bon. Tellement du bien de rejouer à du jeu Game Boy, donc. Et sur Twitch, je sais pas. Juste des picots.
j'ai besoin de... Ok. Je vois ce qui va se passer. Ça va être très chiant. Allez, tranquillement. Ne bouge pas. Et on joue remonte tout en haut. Coffre gris qui nous demandait de faire deux fois le niveau, une fois le jour, une fois de nuit. Le deuxième parchemin pour la tornade. Là où il y a les chariots et tout. Oh. Je ne regrette pas ce let's play. Pour monter là-haut. Pas possible. Pourquoi que ça marche aussi. Ah si, ça marche. Pardon. C'est des explosions. Des petits obstacles comme on les aime. Sérieux. Poil de cul. Hein. Encore un autre. Non! Ça va. Ça va. Oh les chariots! Ça va pour tout de suite.
la thune. Non. Bien. Faites dodo, ça m'arrange. On va pas manger la tête. Il va chier. Il va chier toujours. Toujours aussi nul à chier. Une rampe quelque part. Chaud quand même. Mais nul à chier sur 20. Oh putain, je l'avais. Mais non, je l'avais. Je sais même pas si c'est ça qu'il faut faire, mais je l'avais. Faut que je refasse tout ça. Encore là, je me plains de ça, mais ça va empirer. Hein. Je sais qu'il y a des. Plus tard. Oh putain, j'en ai un troisième. C'est vrai. Trois. Toujours par trois. Voilà, ça c'est un boss, et la particularité des boss c'est que si je perds, ben le coffre est là, donc c'est bien le boss que je dois affronter. Évidemment, voilà, mon but c'est de retourner au boss et maintenant. Oh le bâtard! Bien joué. Ok, j'avais découvert du fond, c'est. Oh putain! Une phase 2! Je m'attendais pas à ça! Alors que plus il y a de try, plus le boss il est sympa, il m'a quasiment rien jeté.
Alors, je peux vous montrer quelque chose aussi. Particularité pour la Switch. Quand on maintient ZL et ZR, que vous voyez. Non, c'est pas ça. Ah, bah si. Ah, on peut sauvegarder ici. Oh, je sais plus. Non, c'est sérieux, j'ai lagué. Alors, j'avais cru que je pouvais revenir en arrière en appuyant sur ZL et ZR, mais en fait non. Le jeu est punitif. Ah, je vois pas, je lag. Je lag. Je pleure. Je lag comme un porc. On va finir ce niveau. Quand même. Voilà, c'est bon. C'est ma faute. C'est le premier boss, je peine comme un porc. Désolé, hein. C'est un peu lamentable. Bon, ça me permet de me réveiller quand même. Bon, moi, je vous ai bien vendu, hein. Je n'ai jamais joué au jeu. Sans que ça fait une... Mais... Je pensais qu'il me visait, mais en fait, il est random, ce con. Va venir. Alors, c'est un peu le but, quand même, que le jeu soit comme ça et que je fasse de la merde. Ça augmentera la durée de vie du jeu, parce que le jeu est très très court, en vrai. Donc même ça il veut pas. Donc j'ai quand même des... Faut que je fasse gaffe, hein. Ça c'est le maillet magique qui me permet de monter comme ça. Voilà, voilà. Une salope. Power up. Ah, les power up. Donc deuxième catégorie d'objets qu'on peut avoir. Ça, on appuie sur droite. Ah, j'ai attaque coup de cul. Je peux casser ça. Et je peux m'occuper des grenouilles. Ok. Donc je peux retourner là-haut. Je peux retourner à Vast Plain. Donc voilà, tout le jeu va être basé sur ça. Et faut pas oublier. Par contre, je peux casser que c'est... pas cassé. Alors on cherche le coffre vert, rouge.
con, je me... Donc ça passe ici. On est ici. Alors on a le coffre. Alors désolé si ça clignote, hein. Attendez pas à ce qu'on pourrait être atteint à l'épilepsie. Alors la thune, je vais en avoir besoin là. Je vais en profiter pour en ramasser le plus possible. Et je me rappelle pourquoi il y a la thune. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais... Pour avoir accès au coffre rouge, j'ai besoin d'un mini-game clear. Il va falloir quand même, par contre, que je trouve... la clé qui est là. Le mini jeu. Le coffre est à gauche, mais je ne peux rien y faire. J'arrive. Le mini jeu est juste là. C'est comme ça que ça fonctionne le mini-jeu. Donc l'objectif c'est de mettre dans le trou en 3. Qu'est-ce qu'on va se marrer? J'ai rien compris, mais c'est pas grave. Donc je dois mettre le bleu sur le truc entre les deux. Et le rouge sur le truc rouge. Comme ça. Mais putain, mais y a un écart, je vous jure qu'il y a un écart, ça vient. Là, j'ai pas vu le rouge. Vous cacher, c'est très chiant. C'est très très chiant. Un jeu de merde. Je pense que là c'est que 10 coins. Oh mais c'est pas la même. Non, non.
comme mini-jeu en vrai. Je comprends pourquoi le... Oui, donc j'ai vu le let's play, il a pété un peu sur ce truc. C'est le même en plus. Il y a de la lave là! J'arrive même pas! Le rouge il est trop dur. Oh oui, j'ai beaucoup trop dur. Mais putain, mais j'ai appuyé. C'est pas sensible, ça m'énerve ça. Faut appuyer légèrement en avance, c'est casse-couille. C'est vraiment casse-couille. Il a une seconde d'écart par rapport au moment où j'appuie, c'est... Dans un jeu comme ça, ça fait toute la vie. Et on appuie en avance. Je vais appuyer sur le blanc, hein, j'ai pas le choix. On est à 5. Mais c'est de plus en plus dur ou quoi? Bien sûr. Mais non. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez créé un décalage sur un jeu comme ça? C'est pas possible. En train de vider mon porte-monnaie là. Y'a quoi encore? Mais j'ai 100 bornes à faire, j'aime même pas faire un seul pas. Bah oui, mais je vous jure que j'appuie sur le... J'appuie ici. J'appuie ici. Quand le truc est là, je décide d'appuyer. Il y a tellement un décalage de ouf, c'est horrible. Ah là, la preuve que j'ai appuyé sur le blanc. J'ai appuyé même sur le dami pour dire. Un peu, c'est incroyable. D'habitude, niveau précision, je suis doué. Là, c'est vraiment... je la joue mauvaise foi en disant ça quand même. Mais c'est le jeu, là. Avant d'envoyer un tous les 4 coups, c'est... le meilleur coup que j'ai fait. Comme ça pour finir en rouge. Bon, essayons de finir au moins ce niveau, hein. Ça va ralentir, hein. Ralentir. 1. Putain, mais... J'en ai une dizaine à faire. Première coupure, on se retrouve tout de suite les gens.